Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Fabien Martens et aujourd'hui nous allons voir donc un deck mono noir sacrifice. J'en ai déjà fait avant, ça marche toujours très bien. C'est un deck limite budget parce qu'il n'y a pas trop de rares. Donc là je vous montre en quelques mots les principes du deck. Donc le principe c'est toujours le même, c'est donc avoir donc 8 cartes de pioche et de sacrifice, donc rite du village et dispute mortelle pour pouvoir avancer dans notre deck, toujours mettre un maximum de terrain hein, par tour et avancer donc dans les ressources disponibles pour pouvoir à un moment donné surpasser notre adversaire. Afin d'alimenter ces sacrifices et mettre des cartes intéressantes, nous avons le blême titubant qui, grâce à ses trésors, va nous aider à avancer. Nous avons les envoûteuses envoûtées qui vont nous donner je veux dire, un carte avantage parce que ça va nous permettre de, quand elles sont sacrifiées, de nous donner une carte. Et nous avons toujours dans ce quart d'avantage l'espace mail qui nous permet d'aller chercher une carte et d'apprendre. Donc là, c'est vraiment les mécanismes, je veux dire, principaux du deck, des cartes, des créatures peu chères qu'on peut mettre en place rapidement pour pouvoir alimenter notre pioche. Une fois que on commence à avoir quelques terrains, le berserker lui peut arriver sur le fil et devenir intéressant parce qu'il va grossir assez vite puisque on pioche régulièrement et on lance quasi deux sorts minimum par tour grâce à tout ce quart d'avantage qu'on fait. Donc le berserker est tout à fait adapté dans notre deck. Il va devenir très gênant très vite s'il n'est pas géré par notre adversaire. Donc ça va occuper notre adversaire en général et nous permettre de continuer de nous développer. Alors dans, je veux dire, les cartes qui nous permettent de parfois obtenir un kill rapide, donc on a le Berserker, on a ici Jadar, on en a un. Comme ça c'est une créature légendaire, aucun risque d'en avoir plusieurs en main et d'être gêné. Et une carte très importante dans le deck, donc limite si vous n'avez pas les autres rares ou quoi, les deux seules cartes vraiment importantes dans ce deck, c'est Valky, dieu des mensonges, qui va nous permettre, en tout cas dans les tests que j'ai fait hier, j'ai régulièrement gagné grâce à lui. C'est-à-dire qu'en début de partie, ben, il est juste utile, c'est une 2-1 qui nous permet d'aller voir la main de l'adversaire et parfois de le gêner en allant chercher une créature qu'il a en main. Et en fin de partie, c'est juste vraiment énorme parce que on va faire un quart d'avantage de fou. On peut gérer éventuellement une créature qui nous gêne. Il est vraiment très utile. Alors, on a besoin évidemment d'un peu d'anti-créature et toujours avoir faire du quart d'avantage. Donc, c'est pour ça que le massacre au creux de boucher est là et que du sang de la neige est là aussi. Qui, en général, on va faire revenir une 1-1, une 2-2 ou éventuellement une effigie de paille. Donc, ça, c'est l'effigie de paille, c'est une carte que j'aime beaucoup. J'en ai mis deux, il n'y en a pas besoin de plus ici dans le deck, mais c'est aussi encore une carte qui va nous permettre de faire du quart d'avantage. Alors là, on n'a pas énormément de créatures dans le deck, mais le fait de connaître la carte, la première carte sur notre bibliothèque est important. Et si la première carte n'est pas une carte de créature, souvent on peut encore lancer de la pioche qui va nous permettre alors de relancer une nouvelle carte au-dessus de la bibliothèque et éventuellement de pouvoir lancer une créature depuis le dessus de la bibliothèque et donc de toujours de faire du quart d'avantage. Aussi, Éveil d'Agadim, ça c'est une carte assez importante, avoir au moins une ou deux, c'est je pense absolument nécessaire dans ce deck. Ça vous permet d'avoir un second souffle en mid-game, fin de partie. Donc d'aller rechercher, souvent on le fera de 2, voire de 3, pour aller chercher une, deux ou trois créatures. Ce ne sera jamais plus. Et ici, juste un petit plus que j'ai, mutilation d'Agra. Donc c'est à la place de 4 terrains, j'ai ce terrain spécial.
Si vous l'avez pas, c'est pas gravissime. Vous pouvez ne pas le jouer. Ce n'est pas une obligation. Alors toujours pour si jamais à un moment donné on subit un sort qui retire toutes nos créatures du board, nous avons essaim de dispute qui peut attaquer l'adversaire et aussi, très important, retirer des cartes dans le cimetière de notre adversaire. Le deck est vraiment simple. Je dirais que ici, c'est un deck que vous pouvez facilement changer, adapter selon vos envies. Une fois que vous avez les mécanismes de base, c'est-à-dire les 8 cartes de sacrifice et de pioche, et après vous mettez juste des créatures faciles à mettre en place, le principe du deck reste le même. Ici, du sang sur la neige, si vous ne l'avez pas, c'est dommage, mais alors à ce moment-là, il vous faudra peut-être à la place plus de massacres ou des sorts de gestion de board un peu plus. Ça, à vous de voir. Et là, il y a une chose aussi. Ici, donc, pour lancer Tibalt, nous avons aucun terrain rouge. Là, je me posais la question si je ne mettrais pas en noir rouge un terrain un seul si donc terrain neigeux parce que lui comme ça reste un marais une montagne enneigée est-ce qu'on sait aller le chercher en fait c'est la question que je me pose j'ai aucun moyen d'aller chercher donc l'intérêt non l'intérêt basique non je ne vois pas trop l'intérêt de jouer celui-là éventuellement si vous avez manqué une mutilation vous pouvez remplacer parce qu'il y a aussi le vert un double terrain si vous ne jouez pas enneigé. Vous pouvez franchement mettre des terrains ici, passage marche-brûle. Ça ne poserait aucun problème. Donc rouge-vert et aussi les roux, enfin, bon, rouge-noir et vert-noir. Puisque ici, on a une carte verte qui est souvent utile dans certains match-up. C'est de pouvoir jouer la brèche du confinement. A priori, normalement, je la jouerai avec. Trésors, mais des trésors, je n'ai que 8 chances de créer des trésors, 8 façons, voire plus parfois avec du sang et sur la neige, de créer des trésors. Donc voilà, un peu le principe. Ici, comment une créature que je n'ai pas nommée, fracassement d'âme, ça peut être un autre anti-créature. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il tue aussi bien des planeswalkers que des créatures, et en plus, il ne cible pas, ce qui peut éviter de. Parfois, quand la créature est protégée par le fait qu'elle ne peut pas être ciblée, ça nous aide. Par contre, on ne peut pas toujours cibler la bonne créature comme on voudrait dans un match-up où il existe un certain nombre de créatures. Ça, c'est l'inconvénient de la carte. Donc, il y a du pour et du contre pour cette carte. C'est peut-être une carte que je changerai dans le futur. Ça va surtout dépendre de la métagame. Donc voilà, un petit deck qui fonctionne bien, qui a un win rate positif. Donc je vous le conseille. Donc là, on va faire quelques parties classées pour vous montrer l'efficacité du deck. Classé ou on fait un événement? On va faire un événement pour voir où ça nous mène. C'est tout ça. On va jouer un événement. Donc là, on part dans un événement alchimie. Voilà, hop. Donc, pour rentabiliser notre événement, il nous faudra, on va dire, à partir de 3 victoires, c'est déjà limite trop rentable, puisque vous récupérez 400 pièces et 3 cartes. C'est déjà, je veux dire, limite rentable au bout de 3 victoires.
On y va. Envoyer le deck. Et on joue. Bon, c'est un deck que j'aime bien parce que c'est un deck en général. Le fait qu'il pioche beaucoup nous permet vraiment de d'être actif, et quand c'est pas le cas, bon, c'est que c'est foutu. Là, on a une main un petit peu spéciale, c'est-à-dire que on n'a qu'un seul terrain, donc si on utilise Passmeuil, on est mort. On va prendre le risque. Parce que les gens en général n'aiment pas tuer le Spaceuil. Ça va, en blanc il n'a pas l'occasion de le faire. En plus on chope un land, donc c'est parfait. On va attaquer. Et comme on est face à blanc, je ne vais même pas chercher à protéger. Ici le berserker, hop, je le mets directement. Hop, on va jouer ça avant. N'a pas beaucoup de chance hein, là-dessus. On n'a pas été chercher de terrain. Ah bon, on a quand même su lancer un deuxième sort. Oh là là. C'est vraiment pas. Vraiment pas top, mais bon, on voit qu'on s'en sort. Là, la galère de terrain va nous poser problème. On va faire le moins 1 ou le trésor? Ah, le moins 1. Si j'avais eu un terrain, j'aurais pu sortir le berserker. Ok. Donc, notre objectif maintenant est d'atteindre 6 terrains pour nettoyer le board de notre adversaire. Mais là, ça va être mal barre. Hein. On va se prendre 2 points, c'est inévitable. J'hésite à sortir le Berserker ou Valky. Parce que Valky nous permettrait d'aller chercher une créature dans la main de notre adversaire et pourrait l'embêter un tour. D'un autre côté, s'il sort toute sa main, ça m'arrange aussi, quitte à ce que ce soit dur pour nous. Donc on va faire ça. Il est obligé de nous bloquer avec ces deux créatures s'il veut nous bloquer. Il n'y en a toujours qu'à 4 mana. On risque d'être emmerdé parce qu'on ne va pas aller chercher assez de terrain. Là, on empêche déjà notre adversaire de monter à 27. Bien, là ça va nous monter à 5 mana.
Donc là, il faut qu'on temporise. Donc l'ange est un problème, donc on va le virer. Ah merde. C'est chiant. Je pensais, bah, c'est un inconvénient. Voilà, je vais me prendre deux pêches. 5, 6, 7. Ok, notre adversaire abandonne. Pourtant, c'était pas gagné notre part. Hein. Voilà, une belle partie. On voit ici les berserkers. Hein. On voit toute leur puissance. J'ai pas encore pioché énormément. Mais ça nous fait déjà une victoire. C'est très bien. Donc avec notre petit deck sacrifice. Mais ça, je l'ai déjà dit dans de précédents decks que j'ai présentés qui ressemblaient très fort à celui-ci, c'est que la base sacrifice est vraiment bonne. On peut construire différents decks qui fonctionnent très bien. Ici, c'est une main, encore une fois, moyenne, mais jouable. Sauf qu'ici je n'ai pas de quoi piocher, ce qui m'embête un petit peu. J'aime bien en début de partie pouvoir piocher un peu. Mais bon, on a quand même jusque 3 terrains, même s'il y en a 2 qui sont tapés. Tour 1, on met ça. Tour 2, on met ça avec ça. Tour 3, je veux dire, on peut commencer à monter notre berserker ou un fracassement d'âme si nécessaire. C'est quand même pas mal face en tout cas à un deck aggro. Par contre, si c'est pas un deck aggro, on va être un petit peu mou. Enfin bon, à voir. Allez, ça je l'aime. Ça j'aime pas quand c'est lent comme ça, quoi. Mais un petit peu plus rapide. En attendant. Ok. Apparemment, peut-être que notre adversaire a un problème technique. Pendant ce temps-là, je fais des petits réglages. Alors, j'ai l'impression que c'est à nous de jouer. Oula, j'ai voilà, désolé. On va garder la main, hein. C'était l'objectif. Donc le plan de jeu. Bon. Ce serait de mettre mutilation premier tour, deuxième tour le blême avec une deuxième mutation, troisième tour on mettrait le marais enneigé. Okay. Pas sûr qu'on va la jouer celle-là. Deuxième victoire facile. On n'a même pas joué. C'est bien, hein? Nous, du coup, les chances que l'événement ne soit pas rentable plutôt faibles.
Donc, ouais. Là, on a beaucoup de land, une seule créature et deux cartes pour le sacrifier. Donc, le danger, évidemment, est-ce qu'on met notre créature dès le tour 1 ou pas? Sachant qu'on ne pourrait le mettre que le tour 3 si on veut le protéger, ce qui est tard. Donc, et de toute façon, il nous fait un token s'il meurt, un trésor. Je pense qu'on peut le mettre. Sauf si on joue contre mono rouge. Là, c'est la seule exception peut-être où je ne le mettrai pas. Mais je commence, donc je n'aurai pas l'occasion de savoir. Parce que s'il est removed from the game, donc retirer la partie, là, je tire la gueule. Mais c'est quoi ces gens qui abandonnent quand on joue une carte? Quoi, ils voient que je joue noir, c'est suffisant pour gagner? Je comprends pas. Je comprends. C'est très rigolo, hein, mais bon. Donc trois victoires, c'est, on va dire, l'événement est quasi déjà rentable. Surtout en un temps record, hein. Ok. On va dire que c'est moyen, mais tout à fait. Moi, c'est bien. Que notre adversaire voudra bien jouer cette partie ou va-t-il abandonner après qu'on ait mis le premier carte sur la table? Noir, ok. Là, on se chope à deuxième laine, donc on peut franchement y aller. Je préfère sacrifier celui-là au début pour aller chercher encore un land supplémentaire pour vraiment dire de d'avoir une base suffisante. En vie tour 2, on sortirait quand même bien le Valky. Ok. Là, donc on va probablement se choper un deck dragon. Le Valky, je pense que c'est vraiment la bonne idée ici. Ok, donc ok, il va certainement jouer ça sur le Valky, mais tant mieux. Il y a ça, lui qui est très embêtant. Je pense que c'est lui le plus embêtant. Hop, et on va rester. Du coup, il n'a plus de célérité. Donc le Valky, c'est ça aussi, c'est que dans le tempo, parfois, il nous fait gagner un tour. Très utile. Et là, les mutilations d'aggro vont peut-être être nécessaires. Mais uniquement si on va chercher le quatrième terrain. Ok. Et lui, c'est des dégâts ou des dégâts à un joueur? On perd. Ah, c'est les points de vie que j'aurais perdu. Ok. Donc si je bloque. Donc il peut faire un regard à 1. Ça lui permettrait d'aller chercher. Voilà, il peut pas la jouer. Mon tour. Ah, très bien. Il va nous sortir donc une célérité probablement. Est-ce que j'attaque avec spam ouais. Sauf que c'est lui que je voudrais voir bloquer, donc.
pouvoir m'assurer d'avoir le quatrième terrain, quoi qu'il arrive. Quoi que si je peux mettre une mutilation tapée, ce que j'aurais dû faire en fait. J'aurais pas dû mettre le champ de ruines, j'aurais dû mettre ici le mutilation d'agra, puisque de toute façon je n'ai besoin que d'un mana. Parce que dans le futur, je vais faire du carnavantage avantage en jouant le massacre. Donc là, on se sent plutôt bien. Ok, c'est gênant. Bon, on va en sacrifier une. Ok, on va sacrifier. Ça n'a pas d'importance, je pense. Et lui récupère sa carte, c'est ce qu'il voulait. Et nous, on va éviter qu'il fasse un trop gros scry ou de se prendre trop de dégâts. Alors. Je peux bloquer encore un tour, prendre 2 points de vie. Je pense que ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, et là. Alors. On va se prendre 3-4 points le tour prochain. Mais bon, le tour prochain, s'il faut, on sera 5 à 6 mana. Normalement, on dégage tout ce qui pourrait nous emmerder. Plus ici, on va créer des nourritures. S'il y a besoin de récupérer des points de vie, on devrait pouvoir le faire. Une fois qu'on aura nettoyé le board. Et à 4 mana aussi, pour gagner du temps, s'il faut, je peux aller chercher un Spasmeuil et un Valky, juste pour emmerder notre adversaire. Tant qu'il n'est pas Trample, ça ne pose pas problème. Ok, voilà. Là, on va se prendre 4 points. On a un trésor. C'est très embêtant ce qu'il a gardé 2 terrains détapés. Là, et qu'est-ce qu'il nous met? Ok. Ouh, ça tombe à point nommé tout ça. Je suis à 4, 5, donc j'étais obligé de me prendre 3 points. Et 3 points. Mais me prendre 3 points maintenant. Et je vais faire de 4. Ça nous permet de récupérer un peu de points. Je préfère lancer lui d'abord parce que après toute par anti-créature, on va gagner un point de vie. Ça peut compter.
Je dirais qu'ici le match-up est plutôt en notre faveur. Si on arrive à résister au premier assaut. J'aurais peut-être dû jouer les 5. Pas grave. Ok. Notre adversaire n'a sent bien qu'il pourra... il va pas pouvoir nous battre. Donc il abandonne. Donc c'est bon pour nous. Et là, c'est là effectivement quatrième victoire. Donc déjà là, on a dépensé 500 pièces d'or pour s'inscrire à l'événement. Donc c'est déjà rentable puisque là, on a déjà trois cartes gratuites. On est déjà tout bon. Et c'est un deck que j'ai joué en mythique. Il est tout à fait compétitif. Donc en alchimie BO1, il marche très bien. Et c'est un deck pas trop cher. Coûte cher, c'est un peu les anti-créatures de masse, mais si vous en avez 4 ou 5, on pioche tellement que vous allez pouvoir aller les chercher. Et là, j'ai fait une bêtise. La main était très moyenne. J'espère que ça va pas nous poser trop de problèmes. C'est pas non plus la fin du monde, mais j'ai deux cartes qui pourraient s'avérer inutiles. Parce que je vais être obligé d'attendre le tour 3 pour jouer. Si je le joue tour 2, en plus de Valkyrie attire les anti-créatures. Donc je ne vais pas. Je commence. Donc ça c'est déjà une bonne chose. On va attendre le tour prochain. Et Valky, j'aime vraiment aussi le jouer en tant que créature, ça nous permet de connaître la main de notre adversaire. C'est comme un bel avantage. Ok. Bon. Là-dessus, on ne se pose pas trop de questions. Donc c'est du mono blanc. Il ne devrait pas avoir trop d'anti-créatures. Et en plus, je viens de piocher une autre créature. Donc je peux me permettre de le jouer sans le protéger. Ok. Là, je vais le retarder parce que du coup, il ne va pas avoir le trésor. L'idée, est-ce que je le sacrifie ou pas, le Valky? Tant pis pour. Ici, ce qui m'embête, c'est que j'ai raté un land drop. Par rapport à notre main, c'est pas gravissime. Bon. Pourquoi il gagne 2 points de vie? Attends, expliquez-moi. Et regarde 1, il a gagné 2 points de vie. Je ne suis pas fou. La carte déconne ou quoi? Gagner 1 point de vie. Il a été doublé, il n'y a aucune raison qu'il soit doublé. Et le fait qu'il en ait un en main, c'est... Il y a un truc bizarre, hein?
Il y a un petit bug là. Il a gagné 2 points de vie lorsqu'il aurait dû en gagner qu'un seul. Là, on voit vraiment toute l'utilité du berserker. Et là, le tour prochain, ton adversaire, s'il ne joue rien d'autre. Ok. Donc là, il doit passer à 15. Ok. Mais il gagne 2 points de vie. Là, il y a un problème, les loulous. Attends, je repasse en anglais, parce que ça me chiffonne qu'il gagne 2 points de vie. Donc, je pense que c'est le texte français qui n'a pas été modifié correctement. Voilà, gain to life. Donc, on vient de découvrir un bug, c'est très intéressant. Donc, je note à 36 minutes, là, on vient de découvrir vraiment un bug. C'est quand la version française, le texte n'est pas bon. C'est pour ça que je joue d'ailleurs souvent en anglais. C'est que on n'a pas toujours une version, je veux dire, correcte. Bon, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Ouais ou pas. Je ne pourrais quand même pas. Ah bah si je fais ça, ça. Ok, donc on va mettre ça taper. Et on va attaquer pour 10 points. Donc là, on voit ici, c'est gagner 2 points de vie et scry 1. Et en français, on voit que c'est la version non révisée qui est affichée. Et donc c'est 1 point de vie et regard 1. Quatre points, c'est quand même beaucoup, hein. Très gênant. On n'a pas encore tué, quoi. Donc, on va faire. Ah bah, de toute façon, il est mort, hein. Hop. Je vais même me prendre 3 points pour garder notre trésor au cas où. Payer 3 points de vie. Et voilà. C'est gagné. Ouais, je suis assez content, ça marche, et en plus, on découvre des bugs. Je ferai un petit rapport tantôt après les parties. En plus, comme c'est une vidéo enregistrée, je leur envoie un lien vers la vidéo. Ils peuvent constater directement le bug. Et ça me conforte dans mon état d'esprit de jouer en général en anglais, même si je suis francophone.
pour être certain d'avoir la bonne interprétation des cartes. Et là, vous voyez donc que les règles se font selon les cartes anglaises et pas selon les cartes, la traduction. Et dans le format papier, c'était déjà un petit peu le cas. Alors ici, c'est moyen, parce que je n'ai pas d'accélérateur de piocheur, encore une fois. Mais le blême ici peut me donner un petit accélérateur avec son trésor, si besoin. On a l'anti-créature en main. Ici, je vais mettre le Valky tout de suite. Comme ça, on va voir la main de notre adversaire. Ok. D'accord, donc c'est plutôt une sorte de décagro humain, me semble-t-il. Ou ouais, humain. Si on arrive à avoir suffisamment de terrain sur la table, on devrait pouvoir s'en sortir, mais. Ah et ouais. Mais c'est parfait ça. On va mettre un terrain. Je lui ai pris une 3-3 que je pourrais transformer. Le tour prochain, je passerai bien le temps à la sacrifier. Et je lui enlève celle-ci pour juste qu'il ne puisse pas trop accélérer. Ça, par contre, je l'ai vu en plus. Et je... Ouais, tu vas m'emmerder. Forcément. Ça m'emmerde, hein, je vous le dis. Bon, on attaque. Trop le choix. Ok. Le transformer, ça changera rien. Parce que je le bute, quoi qu'il arrive. Ok, donc il va récupérer son anti-créature, ça me casse un peu les bonbons. Si on ne pioche pas un land ou des lands ou de l'accélérateur, ça va être chiant. Là, on est moyen, moyen. On est à 20 aussi, hein, c'est pas la fin. Je n'ai jamais joué. Donc il a été chercher une autre carte et ça ne va toujours pas dans nos lands, machin. Ça me casse le bonbon. Vraiment. Ça sert à rien d'aller le sacrifier. Là, il sort pas bien. Quand on n'a pas les accélérateurs, on voit un peu le problème. J'en ai 8, quoi. Je vais quand même bien en piocher à un moment. Parce que là, il va falloir commencer à gérer son board. Tiens, un ou deux tours, mais... Ouais, pas d'attaque. J'ai pas intérêt.
J'aime pas ça. Bon, dans l'ordre, on fait ça. On va y chercher maintenant directement. Ouais, on verra. Ok. Donc on a deux trésors. Mon tour. Est-ce que je tiens encore un tour? Il va vouloir sortir ça éventuellement. Ce qui ferait que je me prends 5. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Faire moins 2 maintenant, c'est pas intéressant. Donc, le risque est trop grand. Donc, je vais. Je vais jouer le sort. Je peux pas le jouer. Payer 6, bah oui, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe comme bug ici? 1, 2, 3, 4, j'ai bien 6. Ah putain, je peux rien sacrifier à cause de Yashan. Oh. L'enculé! Ah là, il mène 9, 10, 11. Wow, il va me tuer. J'ai pas capté qu'Yashan me butait. J'aurais pas dû attaquer. Là, c'est moi qui ai mal joué. J'ai pas vu que Yashan me butait. Bon. Je peux même pas sacrifier ça, je pense. Hein. Je peux pas sacrifier avec ça. Les joueurs ne peuvent pas payer des points de vie ou sacrifier des permanents non terrain. Ça, donc le terrain, je peux. Pour les. Ah, ok. Donc là. J'ai un terrain trop court hein, pour survivre. N'y a rien qui m'aide hein, là-dedans. Non. Donc j'ai rien à faire. Je peux faire ça. Là, je ne sais rien faire. Je ne peux pas sacrifier. C'est ça le problème. Donc là, je peux faire de 2. Un, ça me remettrait un bloqueur. Ah non, je peux pas de 2, je peux pas sacrifier ça. Donc son Yashan m'a complètement zigouillé, quoi. Ah, saloperie de bestiole, quoi. C'est vrai que c'est une créature vraiment gênante. J'avais pas pensé que tu ne pouvais plus sacrifier tout ce qui était trésor et autres. La Yashan, en fait, est une toute bonne créature un peu oubliée. J'ai redécouvert une créature, en fait.
Parce que dans le deck aggro ou quoi, elle pourrait franchement en blanc-vert là, avoir sa place quoi. En un ou deux exemplaires, les cartes avantage avec les lands. Ouais, pas mal, c'est vrai que. Yashan, j'y pense jamais, mais c'est vraiment une bonne carte. À condition évidemment de ne pas avoir des mécaniques de sacrifice dans son deck. Encore moyen, hein. C'est très moyen comme. Je vais pas faire un moins 1 sur sa créature et lui donner l'opportunité d'avoir 4 voire 5 ressources autour de 3. Ouais, de fait, aurait fait mal. Il me fait chier, hein. Parce qu'il va être à. Assez vite pour attaquer avec lui. J'hésite entre lui et lui. Je pense que lui, si j'arrive à me transformer, pourrait franchement être intéressant. Là, notre adversaire a une très bonne main, on va avoir du mal. Question de tempo. Mon tour, c'est très bien. On gagne du temps. Je vais rien jouer ce tour-ci. Parce que s'il essaye. De me. Pas ben, tac, terminé. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il a fait un jeton. Il va nous mettre 3 points. Mais bon. On lui en mettra 2 en retour, franchement. Alors en plus me prendre 3 points, ça m'embête. Oui, embêtant.
Ah mince, il était déjà tapé. Donc là, on va créer le jeton. Non, 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 oui. Ok, donc là on va se prendre peut-être 5 voire plus de points le tour d'après. Commence à faire beaucoup là, hein. Je vais me prendre. Et du coup, les trimples, lui, sont plus un, il vient un marqueur plus un, plus un. Ok. Ok. Il n'a plus de carte en main, donc il n'y a pas de risque. Je ne puisse plus le rendre indestructible. Je me prends 3 points. Ça, c'est plutôt bien, je crois. Donc ici on a des humains, loups-garous et humains. Donc si je fais moins 3 sur tous les humains, j'en bute 2. Si je fais sur les araignées, ça me permet de passer, de buter ça. Mais bon, après, j'ai tout ça. Ce qui n'est pas top non plus. Trop court de 1 en mana. Je vais faire araignée, tant pis, hein. Je vais comme jouer ça. Ça m'emmerde. Gagné. Il pourrait me tuer hein, s'il pioche bien le tour prochain. Oh merde, je sais pas. Ouais, ça fait mal tout ça. J'ai pas le mana pour. Donc. On se prend 5, 6, 7. Ouah, ça devient chaud, quoi. Un bloqueur de plus. On est chaud boulette, hein?
Donc il me faut 4 bloqueurs. Ce qui est possible. Donc, je préfère mettre 4 bloqueurs. Un tour, ok. Est-ce que je sacrifie une de mes créatures? Je serai à 7. Tour. Bon, on prend un risque. La question, est-ce que je mets le berserker maintenant? Avec ça derrière, éventuellement. Donc, un bon bloqueur. Je pense que ça reste meilleur. Et je peux même attaquer, je pense. Le tour prochain, je le tue quasiment. Donc là, c'est pas mauvais. Soit il arrive à me tuer ce tour-ci avec ce qu'il pioche, ou je pense qu'on a gagné. Parce que je l'attaque pour 10 points en volant. Donc là, je vais essayer de garder, de préserver ma volante. Et je peux sacrifier les 4 autres. Et j'ai en plus mon terrain ici. Les 5 qui peut attaquer. Et qui, avec menace, le rend franchement très bon. Donc là, il faut vérifier le piétinement. Donc il donne le piétinement là. Donc là, il s'est donné le piétinement. Donc là, c'est chaud, hein. Il y a quand même deux créatures qui ont le piétinement. Et donc notre adversaire espère qu'on va oublier cette histoire de piétinement. Donc lui, là il y a pour l'instant, lui on va le tuer. Et le land, on va le tuer. Et on bloque lui et on laisse passer un point. Donc, le problème, c'est que là, je le tue grâce. Voilà. Il fallait bien calculer, hein, là. Il aurait. Ici, typiquement, on peut perdre si on fait pas gaffe au piétinement. On a bien géré ça, ce qui nous mène à 6 victoires. Donc là. On va voir si on arrive à obtenir la septième avec ce petit deck qui est pour moi vraiment un deck
Même budget, hein, parce qu'il y a des cartes rares que je joue qui ne sont pas absolument nécessaires. Entre autres les terrains qui font aussi anti-créatures, donc ces quatre rares qu'on n'est pas obligé d'avoir. Pour moi, il faut investir 5-6 cartes donc qui sont des removals de masse, et après le deck il fonctionne. Hein. Donc voilà. Mais Valky, bon, ici je l'ai pas pu le jouer cette fois-ci. Étonnamment, hier je l'ai joué deux fois quasi sur les trois premières parties. Ici, je ne l'ai jamais joué en tout cas en tant que Planeswalker, mais là les deux Valky, bon, ce n'est pas inutile. Mais n'empêche, pas indispensable, puisqu'ici on a vu que ça nous servait. Mais que ça n'avait pas été vraiment indispensable. Alors, si on a un deck Lifelink en face, il a souvent peu d'anti-créatures. Qu'on va aller l'emmerder. Hop. On va aller voir ce qu'il a. Donc, de fait, on va l'emmerder un petit peu. Ça, c'est très embêtant. Ça aussi. Et c'est plutôt ange. Ok, combo avec bon, prout prout prout. C'est un deck où on va avoir du mal à répondre. Je pense que lui, c'est lui qui va nous gêner le plus fort dans un premier temps. Je dois faire une toute petite pause écran. Suivant. Je reviens dans 3 secondes. Oui. Donc. Si on est un petit peu embêté avec les terrains, qu'on n'arrive pas à les chercher, s'il ne sort pas, on risque d'être. Okay. Là, s'il faut le terrain, à la limite, faire moins un tout, ce serait vraiment bien. Pour pas qu'ils mettent un compteur plus grand sur toutes les créatures qui vont rentrer. Ah. Bon. Avant encore. Hop, je sacrifie le blême. Je peux pas. Parce que si je ne bousille pas ça très vite, ça va être gênant. Ok, on a été chercher un terrain. Et. Le Valky. Notre adversaire sacrifierait son vétéran pour récupérer, oui, je pense. Donc, on va pas attaquer avec le Valky maintenant. Il en fait un deuxième, c'est gênant.
que du coup, les créatures qui va mettre en jeu auront une endurance plus grande. Ça va me gêner. En plus, ouais, c'est volant. Donc, si nous, on va pas chercher très vite un maximum de land pour pouvoir gérer et faire des anti-créatures de masse, on va avoir un peu du mal à survivre. Donc chaque fois qu'on est en difficulté, c'est par un manque de pioche, hein, on voit bien. Pourtant, j'ai eu de quoi piocher. Hein. Vraiment pas bon là, ce qu'on pioche là. Pas bon, pas bon, pas bon. Donc il y en a un terrain le tour d'après, c'est une bonne nouvelle. Ça lui fait gagner un point, mais on lui fait perdre le vétéran éventuellement. Il n'y a rien de terrible. Ouais, donc là, ça devient problématique tout ça. Sortir de l'aggro. On va pouvoir commencer à attaquer le tour prochain. Ça reste gérable du 4-4. Lui sera 5-5, donc chaque fois qu'on perd un tour, je fais un tour trop court. Mais bon, sachant qu'ici je peux récupérer un trésor. Tour prochain, je récupère ça, c'est très bien. En volant, est-ce que ça m'intéresserait? Suivant. Voilà, tac, on gagne du temps, nous, on met des terrains. Okay. Là, moi, je peux faire moins 3 à tout le monde. Et un moins un supplémentaire et un autre. Je fais un trop court.
mon tour. Donc on chope là, on sait qu'on va choper un land. Donc, comme je vais me choper un land, est-ce que j'ai besoin de... Je n'ai pas besoin de sacrifier un Spasmeuil. Donc on va... Hop. Ouais, très bien ça. Faire de 3. Ah, c'est pas intéressant maintenant. Donc, je fais de 5 le tour prochain seulement. Voilà. Tour, ok. Qu'est-ce qui vient après? Ouais. Il y a qu'en volante où c'est intéressant d'attaquer. Et en ombre volante. Ok, on va nous reprendre ça. Va falloir qu'on dégage l'enchantement. Mettre une créature, c'est intéressant. Pas poser de land, ça pourrait être intéressant de mettre ça plutôt, hein. Papa. Ok, valider l'action. Là, on va devoir faire un choix entre jouer ça et en fait le Valky. Deux secondes. Right back.
Donc je reviens. Désolé. Oula, ça va.
Et la caméra non plus. Oh là là, désolé. Là, c'est à moi. C'est très bien. Donc là, on va faire un moins 4. Est-ce que ça tue tout? Ouais, ça tue tout. C'est dommage. Donc on va faire moins 4. Et voilà, on a gagné, c'était pas compliqué. Donc voilà. Donc notre septième victoire, un peu longue mais méritée. Donc très satisfait de pouvoir récupérer notre récompense. Et la vidéo est revenue. Donc voilà. Donc en 1h28, on a gagné donc combien de pièces? Donc on investit 500 et on en récupère. Donc on a doublé notre pécule et on a gagné 3 cartes. On va dire que c'était plutôt rentable et on gagne donc. Ok, complètement oublié cet éphémère là. Ok. Ouais, dans le jeu esprit, elle est encore jouable. Donc, et on chope deux rares et une co. Plutôt sympa. Donc voilà. Ici, vous retrouverez donc le deck en descriptif. Un lien vers mon Nethertop. Si vous avez aimé la série des 7 parties, bah, n'hésitez pas à me soutenir. Un petit pouce, un like et à me follow si vous voulez des cartes. Enfin, des deck tech en général, j'essaye de faire des decks bon marché. Et si vous voulez des conseils par rapport à l'actualité de Magic, n'hésitez pas à me suivre. Un grand merci et à bientôt. Où est ce putain de bouton? Voilà, ciao ciao.